Good morning, allez, Iden, les sucera aujourd'hui. Les Louis Nishmat, Abraham de Chabénisrek, Bévenid, Vora, Batester, Solovan, Ishila, Bedelmar, ainsi que les Fouat, Amram, Ben, Massoudi. Si vous souhaitez aussi désigner une prochaine tue de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Massacre d'Ivamot, Perek Vav, Mishnah Gemel, Alamana, les Kohen Gadol, Groucha, Bachalosa, les Kohen Hediot, Mina, Erusin, Loyochlu, Batroma, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Marchirin, Nitarmelu, Onit Garchou, Mina, Nisuin, Psulot, Mina, Erusin, Kshirot. À partir de notre Mishnah, pour un très bon bout de temps, on va parler longuement de toutes les halakhot particulières des Kohanim, des mariages interdits, et même pas que, aussi des biens qu'ils ont, les esclaves, dans quelles conditions, quelles sont les conditions requises pour qu'ils puissent manger la Trouma, en général. Peut-être que j'ai une courte introduction en rapport avec notre Mishnah tout d'abord. Une fille Kohen, une fille de famille de Kohen donc, tant qu'elle est chez son père, elle a le droit de manger la trouma. C'est une Kohenette, le Kohen a le droit de manger, de donner à manger de la trouma à sa fille. À partir du moment où cette fille elle s'est mariée avec un Israël, alors pendant qu'elle est mariée, elle n'a plus le droit de manger de la trouma. Si le Israël décède ou la divorce, si elle n'a pas d'enfant, alors Beshava El Bet Avia, elle revient chez son père et elle mange la trouma. Mais si elle lui reste Vezera Enla, la Torah insistée, si toutefois il lui reste un enfant de ce Israël avec qui elle s'est mariée, eh bien, alors elle ne reviendra pas dans la maison de son père pour manger la Torah. Ça, c'est une courte introduction tout d'abord, avec à présent maintenant une autre chose. Maintenant, on a parlé de ce que c'est une fille de Cohen qui s'est mariée avec un Israël. Maintenant, on va parler d'autre chose, d'une femme Israël qui se marie avec un Cohen. Lorsqu'elle se marie avec le Kohen, elle a le droit, elle, de manger la trouma. Une femme de Kohen, même si elle n'est pas de famille de Kohen, elle a le droit de manger la trouma. Le jour où elle divorce, ou son mari décède, s'il reste des enfants avec le mari, donc des enfants qui sont Kohanim, alors elle garde encore le statut de Kohenet, elle appartient encore à la famille des Kohanim, elle pourra manger la trouma. Si toutefois, il ne reste pas d'enfants, eh bien, elle cessera de manger la trouma. Ok ? Ça, c'est deux notions, tout d'abord. À part ça, vous savez que les Kohanim n'ont pas le droit de se marier avec certaines femmes. Un Kohen Hediot, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Et une Halala. Une Halala, hein, c'est une femme qui appartient à une famille de Kohanim qui n'ont pas respecté les lois de Kihuna. On en reparlera plus longuement plus tard. D'accord? Mais on a été mitralel, ils ont été profanés. Ils avaient une Kedusha de Kohanim, ils ont été profanés, ils deviennent pires que d'Israël. Ils deviennent des... D'accord? Et cette femme-là, maintenant, elle n'a plus le droit de se marier avec un Kohen. Ok? Ils ont pas le droit, donc un Kohen n'a pas le droit de se marier avec toutes sortes de femmes. Il y a en général la divorcée, donc on a dit Grusha Vechalutza et aussi la Halala. Et le Kohen Gadol, il a des misotes encore plus rigoureuses, qui doit se marier nécessairement avec une femme vierge, Betula. Et on apprendra dans la prochaine Mishnah déjà plus de précisions sur ce type de mariage. Donc il doit se marier avec une femme vierge. Et aussi, il ne peut pas se marier ni avec une femme divorcée, bien évidemment, mais même pas avec une veuve, alors qu'un Kohen a le droit de se marier avec une veuve. Ok? Je pense qu'on a les données essentielles pour commencer les trois prochaines Mishnayot, Bezrat Hashem. Au fur et à mesure, on avancera, on rappellera, vous inquiétez pas. Et on commence avec Alman et le Kohen Gadol, une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol, il se marie de manière interdite. Ou Grusha Vachalutza, les Kohen Ediot, ou bien encore une femme divorcée. Ou une femme chalutza qui a fait la chalitza, qui ressemble à une divorcée, mais de Rabbanan. Elle s'est mariée ensuite, elle partira avec un Kohen Hediot. Alors, Mina Erusin lo yochlu bitruma. Même s'ils ont fait juste les fiançailles ensemble, les fiançailles qui sont les Erusin, ils ne pourront pas manger la trouma, même s'ils n'ont pas parti, ils ne se sont pas encore unis, ils n'ont pas encore, ils ont pas été mitachadim, ils ne sont pas encore isolés ensemble. Et tandis que Rabbi Eliezer va Rabbi Shimon Marchirin, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, ils disent non, c'est encore permis si c'est que Mina Irusin. Tant que c'est que Mina Irusin, tant qu'ils n'ont pas eu de rapport ensemble. Et j'explique un petit peu mieux, la notion est très simple. Un Kohen qui se marie avec une femme Asura, donc c'est un Kohen Gadol avec une Almana, ou un Kohen Ediot avec une Grusha, alors il faut bien comprendre, à partir du moment où ils vont se marier et qu'ils vont vivre une fois ensemble, ils vont se retrouver une fois isolés ensemble, depuis le moment où il va avoir un rapport interdit avec cette femme, il va la rendre halala.
il va la profaner complètement, et c'est sûr qu'elle ne pourra plus repartir manger, même dans la maison de son père. Soit, en fait, on avait une. On parle d'une situation un peu comme ça, le Barthélemy explique. Il y a. On parle d'une fille de Cohen mariée avec un Cohen. Purement Cohen. Malgré tout, elle n'avait pas le droit de se marier avec un Cohen. Si il va, le Cohen il va avoir un rapport avec elle une fois qu'ils vont se marier, il la rend halala au point où même lorsqu'il va la divorcer, ou ok, elle va redevenir veuve, eh bien elle ne pourra plus manger de la tourma. Parce que cette fois-ci, c'est devenu une Cohenette halala, profanée. Maintenant, dans notre Mishnah, on parle qu'il n'y a pas eu encore de rapport. Elle a juste été acquise. Il a fait des kiddushin. Sur ça, on a une marloquette. Il y a Tanakama, il va me dire que malgré tout, elle est Assoura, ça y est, elle est mariée, elle est fiancée de manière interdite. Et Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon vont me dire non, c'est encore bon tant qu'ils n'ont pas eu de rapport Assoura. On parle de quoi plus précisément? Il y a Hirusin et Nessuin, on a expliqué ça plusieurs fois, que lorsqu'on se marie avec une femme, il y a le côté d'abord commercial de la chose, j'achète une femme, avec la bague j'achète une femme. C'est le côté kiddushin, ça devient mon bien. Et après, je m'isole avec elle, ça devient ma femme. Ok? Il y a Kiddushin et Nisuin. Asarlanu et à Arusot, Vitirlanu et à Nassot. Là, nous, on les deux coupes avec Kiddushin, comme on dit dans la bracha des Kiddushin. Donc, il y a les Kiddushin, et puis après, il y a les Nisuin. Au moment où je fais les Kiddushin, je l'acquiers. Depuis ce moment-là, en théorie, si un Kohen il acquiert une femme comme ça, en théorie, il pourrait déjà lui donner à manger de la Trouma. Rami, mon Fénix Zara, ne l'a pas donné pour quelques raisons techniques. Mais en théorie, c'est déjà devenu son bien. Donc elle a le droit de le manger avec Cohen qui kinyan kaspo, ou Yochal belachmo, c'est qu'il y a dans le pasouk. Dès que le Cohen il acquiert une femme ou il acquiert un esclave, ça devient son bien et elle a le droit de lui donner à manger. De la trouma. Donc en théorie, quand le almana elle se fait acquérir par le Cohen, alors là ça devient, c'est la situation délicate. L'almana, ou le au Cohen Gadol, ou la grosha bachalutza au Cohen Idiot, devient le Cohen il l'acquiert, alors elle devient le bien du Cohen, elle devrait manger. Quel est le problème? C'est qu'ils n'ont pas le droit de s'unir, d'accord? Mais tant qu'ils ne s'unissent pas ensemble, ils n'ont pas eu de rapport interdit pour le moment, c'est son bien. Et elle devrait manger, en théorie. C'est réellement l'avis de Rabbi Lézer, Rabbi Shimon. Khatanakama, il va me dire non, mais malgré tout, puisque le but de leur mariage, pour le moment, de leur fiançailles, on appelle les fiançailles les kiddushin, le but, c'est d'aboutir à un rapport entre assour, ben je ne permets pas les kiddushin qu'il a fait. Par contre, Nitalmenu onitgarshu minen yisuim psolot. Si ensuite, finalement, ils ont voulu malgré tout se marier de manière interdite, et ça leur a pas réussi. Au bout du compte, ils se sont soit divorcés ou bien, Nita Armelou, c'est-à-dire que la femme, elle est devenue Almana. Son mari, il est mort, son mari est Cohen. Donc elle, c'est une fille de Cohen, qui s'est mariée avec un Cohen, mais elle n'avait pas le droit de se marier parce qu'elle était divorcée. Finalement, son mari, il est mort. Est-ce qu'elle peut revenir à la maison de son père? La Mishnah me dit, Minan Yisouin, si c'était après qu'ils se soient unis, qu'ils ont eu le rapport ensemble, donc. Psoulot, elle n'aura plus le droit de revenir, parce que là il a rendu halala. Par contre, Mina et Roussine, s'il est mort, mais tant qu'ils n'avaient pas, ils s'étaient pas encore isolés, il avait juste acquis, et bien dans ce cas-là, Kshérot, elle pourra revenir à la maison de son père, étant donné qu'elle n'a pas été profanée finalement. Ils ont voulu. L'interdit du Kohen, il faut savoir ça. Et que l'interdit du Kohen de se marier avec une Groucha, hein, ça implique d'avoir un rapport avec elle, mais avec des Kiddushin. S'il a un rapport avec elle de manière occasionnelle, sans rapport de Kiddushin, il ne transgresse pas l'interdit de la Torah. Son fils, ce sera un halal, ça c'est sûr. Mais même elle deviendra halala. Mais il ne transgresse plus l'interdit de la Torah de ne pas se marier avec une Groucha. Et aussi, si jamais il lui fait les Kiddushin, il se marie avec elle, mais sans s'isoler avec elle, il ne transgresse toujours pas l'interdit. Parce que la mission, en fait, elle est venue me dire, si le Cohen s'est marié donc avec cette divorcée, il a juste donné les Kiddushin. Après, il est mort, elle pourra repartir manger la Trouma de la maison de son père, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.